Les premiers débris du Boeing MH17 de la Malaysia Airlines ont été retirés du site de l'accident survenu il y a 4 mois dans une zone contrôlée par les rebelles de l'Est de l'Ukraine. L'opération de récupération intervient après qu'une délégation des Pays-Bas soit finalement parvenue à un accord avec les autorités locales. Les enquêteurs de l'accident d'avion de la Malaysia Airlines ont été aperçus dimanche sur le site de l'accident en train de récupérer les débris de la carcasse et de les placer dans des camions. Ils seront transportés aux Pays-Bas à des fins d'inspection par le comité de sécurité des Pays-Bas qui est en train de déterminer les causes de l'accident de l'avion et de reconstruire une section de ce dernier. Le travail de récupération devrait prendre plusieurs jours et l'enquête se prolonger jusqu'à août prochain. Les 298 passagers à bord du Boeing 777 en partance d'Amsterdam à destination de Kuala Lumpur ont trouvé la mort lorsqu'il a été abattu le 17 juillet dernier. L'Ukraine et l'Occident ont accusé les rebelles opposés à Kiev d'être à l'origine du drame, ce que les rebelles et la Russie ont réfuté.